have the morale to fight. Its top-down management was ineffective. We like to joke, if we, as Ukrainians, beat the second largest army in the world, then what are we? Not able to make any gains on the front lines, the Russians instead launched a war of annihilation, aiming missiles and bombs at entire cities. They directly target civilian and civilian infrastructure, hospitals, schools, residences, even theaters. I think you have heard, beautiful Mariupol, our seaside city, is now nothing but rubble, with tens of thousands dead. The Russian army is destroying our second largest city, Kharkiv. And it's ironic that these cities and the ones being bombed as we speak in Donbass and the south are Russian-speaking areas, which until recently had many ties with Russia and even supported had positive views of Putin. The Russians looted the towns that they entered, like Bucha, Borodyanka, and Irpin. They tortured and raped women, children, and even elderly people. You know, and we cannot call this Putin's war. As a mother, I had great hopes at the beginning of this war that the women of Russia would stand up, especially the mothers of Russian soldiers would stand up and say to Putin, no, we do not want our boys going to war. Instead, all the intercepted conversations that we got from soldiers calling home, their mothers were saying, kill people. Their wives were saying, I need a computer, I need a fur coat. Your son needs a mobile phone. And these people looted and took back tons of things that they had stolen from our people's homes. And they would say, we never expected Ukraine to be this rich. It's much richer than the small villages we came from in Eastern Russia. So, and this is not just Putin's war. The support for Putin has grown since the war began. The Russians have deported hundreds of thousands, up to a million of our people to Russia by force. They are intentionally destroying our economy. They block two-thirds of our exports and are doing everything they can to prevent planting to take place in our country, and including mining the fields. They've stolen 400,000 tons of grain from the temporarily occupied territories of Ukraine, which could lead to famine in those regions. And since we provide so much grain to the Middle East and Northern Africa, it could lead to food shortages in those countries as well. They've captured nuclear power plants and used them as blackmail, and have threatened to use nuclear weapons against Western Europe and the United States. They displaced 13 million people internally and externally. And just as Putin said bluntly that Ukraine should not exist, his policies have become those of pure genocide. The Russian media have become screechingly vocal about this, calling for the elimination of the Ukrainian people, demanding the killing of everyone who does not want to be Russian. They have even used the term final solution for the Ukrainian people. Several weeks ago, the Russians even issued something that Professor Timothy Snyder of Yale University has called a genocide handbook, published in an official press agency, RIA Novosti. It's a detailed program for the complete elimination of the Ukrainian nation. Thus, what Russia is doing to Ukraine is genocide. And while the West is shocked, we are not. The Russians tried to wipe out the Ukrainian people during the Holodomor genocide in 32-33. Through the arrests and executions of all our cultural and spiritual figures, through the repression of our dissidents, through centuries of Russification. The Ukrainian army, government, and people understand well that we have no choice but to win this war. Because if we give up even one city, that city will be wiped off the face of the earth. Almost every human being in it will be killed, raped, or deported. They even kill all the animals in these cities. Russians will then be brought in to take the place of the dead Ukrainians. And this has happened many times over the centuries to our people. We are a peace-loving nation, but we are also a freedom-loving nation. And thus we have become a role model for national resistance. Ukrainian society has surprised the world with its spirit, unity, and cohesion.
tens of thousands of our citizens volunteered for the armed forces and territorial defense forces. Thousands more returned from work and travel abroad to join our army and our defense forces. And it's become a legend, the people who have joined, from rock stars and former boxing champions to singers and Olympic medalists and ballerinas. Young couples moved up their wedding days so that they could join the army together. Farmers, IT specialists, construction workers, college students, all became brothers and sisters in arms. You know, we have heard about the people of Kherson who have come out every day with their flags and demanding, even while being shot at, that they want to stay in Ukraine, that they are against any sham referendums. You know, we have had people who stood up in front of tanks. We have soldiers who towed off the ship. You know, we have the mother who, when her son was killed, she joined his battalion in his place. You know, we had a soldier who blew himself up with a bridge to save his comrades. And these are the things that surprised everyone. You know, and despite all the predictions, there have been other forms of resilience. Our banking system has not collapsed. Our ATMs are working. I still pay salaries to my staff with my mobile phone. Our local governments continue to function because we had a great deal of decentralization over the last 8 years. Unlike Russia, which is ruled from the top down, our municipal governments have financial autonomy, and thus we're able to act independently, which has served us well during this war. And while the economy is devastated, many local businesses continue to operate. Farmers are trying to plant despite the mining agricultural fields and shooting. And our civil society has rallied to distribute assistance and support both to the armed forces and the millions of internally displaced people. We have a government app where you can send money, and tens of millions of dollars were sent by plane people to support our army. And just as Putin miscalculated about the resolve of the Ukrainian government, army, and people, he miscalculated about the unity of the West to resist his flagrant violation of international law. Putin was able to unite NATO and the EU as no one else ever has. And we're truly grateful for the support we've received from our friends and allies in terms of arms, sanctions, economic assistance, and the welcome extended to millions of women and children that have been forced to leave Ukraine. Just Poland alone, without any support from the EU, was able to place more than 2.5 million Ukrainians in homes in a matter of a few weeks. We're also buoyed by the support of people around the world, the massive protests in cities, the billions of dollars that have been gathered by NGOs, the actors and artists and rock groups and NGOs and students who have rallied to the Ukrainian cause. And we're confident that we'll prevail. You know, when ordinary people give up everything in their fight for freedom, for dignity, for identity, victory is our only option. We know that we will win, but the time it takes and the number of dead depends on the support we receive from the world. Our army continues to require weapons and military aid, particularly to protect our skies from the bombs and missiles raining down upon us every day in all parts of our country. Yesterday, they hit the far western parts of our country in Lviv next to Poland and in Zakarpattia next to Hungary. We need financial assistance to help us overcome the devastation to our economy. The GDP is expected to decline by a mind-boggling 50% this year. And our budget deficit is about $5 billion per month. We have cut all but the most necessary spending. We continue to pay salaries to our soldiers and to keep utilities and hospitals running. And we need the world to continue the sanctions against Russia, to deprive it of the financial means to continue to wage this devastating war. And we need to think about the day after the war. It's important that after we win the war, we also win the peace. The day after our victory, we will face Herculean tasks to ensure Ukraine's future security and prosperity, our membership in the EU and eventually NATO, and to rebuild our country. Our president has estimated the cost of rebuilding
will be about $600 billion. For this, we are counting on the support of friends and allies, but the funding, of course, must come first and foremost from Russia, from the assets that have been seized, from reparations, and possibly from windfall taxes on oil and gas. But it can also partly come from international financial institutions, bilateral donors, and private sector investment. And finally, the world must come to terms with Russia. Russia must be expelled from international political, economic, and security organizations such as the UN Security Council, the OSCE, WTO, and IEA. There will be no peace until Russia goes through a form of deputinization that was similar to what the Germans went through after World War II. This will involve tribunals for Russian war crimes, crimes of aggression, and genocide, and the repayment and the payment of reparations. Not only will the world benefit from a reformed, democratic Russia, it is the Russian people who will benefit most. Russia must come to terms with the past in order to move forward into the future. Thank you. Juste pour résumer en deux minutes, parce que c'est un discours qui est très, très, très long. Donc, la dame qui vient de parler est la femme de l'ancien président Viktor Yushchenko de l'Ukraine. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, comme tout le monde ici présent ici à l'UMF. Et ce qu'elle dit, c'est vraiment terrible. Elle a décrit la situation que traverse le peuple ukrainien depuis le 24 février de cette année. Mais pour elle, elle dit que la guerre que nous avons vue débuter le 24 février, d'après ce qu'elle vient de dire, ça a commencé il y a 8 ans déjà. Donc, lorsque Vladimir Poutine, d'après ses dires, a voulu annexer avec sa politique donc de reprendre tous les anciens territoires qui étaient donc sous l'Union soviétique. Et donc, pour l'Ukraine a été asphyxiée depuis 8 ans. Et donc, ce qu'elle a décrit, c'est vraiment terrible. Et donc, elle a dit aussi qu'en Europe, après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le pays européen se sont rués vers la démocratie. Les pays européens ont instauré ici des institutions de démocratie, alors qu'au même moment, tout autour, ben, se sont justement levés des dictateurs, des leaders qui, donc sans scrupules, et qui ont voulu justement contrôler le reste de l'Europe. Voilà. Et puis aujourd'hui, elle lance un appel pour que la Russie stoppe ce qu'elle est en train de faire contre l'Ukraine. Elle a décrit un sentiment de solidarité à l'intérieur de l'Ukraine, parce que la Russie, d'après ce qu'elle vient de dire, croyait que la guerre se terminerait en 72 heures, donc en 72 heures, alors qu'aujourd'hui, donc on continue depuis le 24 février. C'est parce qu'il y a une résistance du peuple ukrainien, qui est un peuple qui est épris des libertés, un peuple qui aime donc son pays, et aujourd'hui il y a donc ce sentiment de solidarité, même si l'Ukraine n'est pas aussi puissante que la Russie, mais il y a une force intérieure qui s'est levée pour bouter la Russie dehors. Et elle appelle enfin à ce que la Russie soit exclue des organisations internationales, par exemple du Conseil de sécurité des Nations Unies ou d'autres organisations comme l'Organisation mondiale du commerce, ainsi de suite. Et donc, elle conclut justement en demandant qu'il y ait, après justement cette guerre, qu'il y ait instauration d'un tribunal, oui, pour juger justement les crimes de guerre et pour qu'il y ait aussi des réparations à l'égard du peuple ukrainien qui a souffert justement de cette guerre qu'elle décrit injuste. Alors voilà donc ce que je voulais donc dire en un mot pour résumer son cri de détresse, et donc pour nous c'est vraiment un honneur aussi de la recevoir ici pour l'entendre. Alors donc voilà, merci pour le participant des pays francophones. Ok, now we're going to invite
Mr. Is the Honorable Ivo Josipovic, who is the former president of Croatia, to have also to give also his speech, and I ask you also to give a round of applause. Thank you very much for the invitation to participate in this conference. I'm coming from Zagreb, capital of Croatia. I was at that still a university professor, so I enjoy this environment here in your beautiful university. After this is Yushchenko told us, I think it's not important, it's not possible to add anything more to the situation in Ukraine. I have to stress that heroism of Ukraine people is fascinating, really fascinating. We had war, unfortunately, we had war in the territory of former Yugoslavia as well, and we know what that means. Disaster, human disaster. But I like some local wars. This one is somehow breakdown of global values. It's breakdown of international law. It's also breakdown of the world order, present world order. And that makes us to be very worried about the future of humanity. And now I think it's very important to be unified, to be part in different manners of this battle of evil and good, humanity and cruelty. And I think the especially in Europe, but in all other parts of the world, it's very clear that most of countries are on the right side, trying to help Ukraine. And I have to say that I'm proud that Croatia is a small country, is contributing due to our possibilities, helping Ukraine with equipment, with humanitarian aid, and also to accepting refugees. And I think care of refugees from Ukraine and other parts of the world definitely is a part of our human nature. We have to support those people who lost almost everything, even their sons, daughters, neighbors, friends, their future as well is imperiled. So we have to be sure that we are giving possibility to those brave people to survive and to continue their life and life of their country as well. So, when we consider international law, then we have to accept that almost all norms of humanitarian law are broken in Ukraine by Russian side. Even there are some estimations that we can qualify behavior of Russian troops as a part of genocide. Crime over all crime. There is also very clear that rules of Charter of UN are completely neglected during this war. And now, when we ask ourselves, how can we try to preserve global world order or even to create a better one? Then I think that it's very clear that we cannot do it without helping Ukraine, without being aware that in Ukraine is essential battle between evil and good. We all of us know that previous generations had also challenges, important challenges. The World War was definitely the biggest one. But I think this present situation, Ukraine and around Ukraine can be compared to the Second World War. Yes. The Second World War as Ukraine war were occasions in which the whole world is burning down. All nations are in battle. And it's not easy to fight. Of course, no one likes war. But in Ukraine, all values of contemporary humanity is now being questioned. So we have to support Ukraine. We have to do everything we can to stop the borders of
first most important goal is to preserve the Ukrainian state, to preserve lives and economy and everything that's needed to normal life of the Ukrainian people. But not only Ukrainian people, because this war is not only future for humanity. So what can we do? Of course, conferences like this can also serve outcomes. Yes, we are making it better to all people all around the world, young people, especially young people, that it's worth to fight for freedom. It's very important. Secondly, some strong, military strong countries can and must support Ukraine. Small country can contribute with by accepting refugees from Ukraine. To enable them to live as normal as possible, to accept them as our neighbors and friends, to make them capable to go back to Ukraine after the war and to contribute to the recovery of their country, and definitely to help them economically and with humanitarian aid. Even small countries can do it. I think it's one of the most important tasks to everyone when thinking about the future of humanity to act together to help Ukraine. So after such important and very, very precise description of what's going on the field in Ukraine, for all us that we are following that, trying to contribute, but trying to help, is necessary to be aware that possible success of Putin in Ukraine means collapse of our way of living in the whole world. So we are with you. Thank you for everything you are doing, not only for your country, but for humanity. Thank you. Alors, son Excellence, Monsieur Josipović, était donc le président de la Croatie, et il a dit qu'après le discours magistral que venait donc de présenter Madame Yushchenko, il ne voit pas vraiment quoi ajouter, si ce n'est d'inviter la communauté internationale à réagir, à ne pas rester passive. Et à aider l'Ukraine, parce que la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce n'est pas seulement la guerre de l'Ukraine, mais c'est la guerre mondiale. Et il a comparé cette guerre à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a appelé justement à ce que les grands pays, comme le petit pays, puissent aussi aider l'Ukraine, afin que l'Ukraine puisse faire face à cette guerre. Et puis, il a aussi appelé au respect du droit international. Et il a dit justement que ce que fait la Russie en Ukraine, donc c'est une violation du droit international humanitaire. On est à Genève ici, le centre du droit humanitaire, la Convention de Genève justement. Et donc le président Josipović a lancé un appel pour que le monde puisse vraiment ouvrir les yeux et aider l'Ukraine, sinon ce serait vraiment difficile pour que le monde puisse continuer, parce que l'ordre mondial actuel est complètement détruit par cette guerre. Et donc voilà donc son souhait, c'est justement donc, de soutenir l'Ukraine et aussi de faire en sorte que le peuple ukrainien qui est venu, comme par exemple son pays, la Croatie, qui a aidé l'Ukraine aussi, un petit pays, mais qui a aidé l'Ukraine, il y a des réfugiés ukrainiens qui arrivent ici. Son souhait, c'est que ces réfugiés ukrainiens, après la guerre, puissent retourner dans le pays et vivre dans la paix. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à l'intervention du président Josipović. Alors maintenant, we're going to invite His Excellency Mr. Petr Roman, who is the president of Swiss Humanities University, and who is the former prime minister of Romania, to give his remarks as well. Thank you. En tant que président de notre université,
Je me permets de parler en français parce que dans notre université, on est bilingue, mais on est à Genève et je présume que la plupart des gens qui se trouvent ici sont des francophones qui parlent français, ensuite peut-être ajouter quelques mots en anglais. J'aimerais ouvrir une autre perspective parce que ce que Madame Yushchenko nous a raconté, je pense que devrait nous troubler profondément. Il s'agit tout simplement d'un pays, d'un peuple qui a décidé de prendre les armes pour défendre leur liberté, leur droit d'existence. C'est aussi simple que ça. Et pour l'instant, on n'est pas sûr que cette guerre va s'arrêter si tôt que ça. C'est malheureusement, c'est dans l'intérêt de Poutine de continuer cette guerre. Et il va continuer à mentir, il va continuer à utiliser toutes sortes de manipulation, dire aujourd'hui on est prêt à discuter, on est prêt à négocier, et le lendemain dire ces négociations ça ne vaut rien, parce que de toute évidence le plan initial de M. Poutine est un échec. Et il est un échec parce que Poutine il n'a jamais pu concevoir, vu sa mentalité, n'a jamais pu concevoir que l'Ukraine non seulement existe, que le peuple ukrainien non seulement il est ce qu'il est, mais qu'il est capable de se défendre contre une armée apparemment beaucoup plus forte. Pourtant, c'est ce qui est arrivé et qui a complètement bouleversé, détruit ses plans. Et justement à cause de ça, je crains qu'il a intérêt à continuer la guerre. Qui va arrêter Poutine? C'est difficile à dire. Son intérêt est de continuer parce que sinon, c'est un échec total. Peut-être bien que là, en Russie, quelques personnalités, peut-être militaires, sont en train de comprendre que ce que fait Poutine en ce moment, c'est détruire l'image de la Russie et du peuple russe. La Russie existe, c'est une grande civilisation, une grande culture. Est-ce qu'on peut imaginer notre culture occidentale sans Tolstoï, Dostoïevski, Tchaïkovski, Prokofiev on ne peut pas concevoir. C'est vraiment la grande culture européenne. Et pourtant, il est en train de détruire cette image, cette liaison culturelle, civilisationnelle. Moi, j'ai été vraiment acteur politique au premier plan. Lorsque l'Union soviétique, lors du collapse de l'Union soviétique et le démantèlement de l'Union soviétique, eh bien la raison principale, c'était la situation économique. L'Union soviétique n'était plus capable de continuer avec le même système économique. Eh bien, après 32 ans, ou 31 ans, qu'est-ce que la Russie a fait de mieux? Rien. Les espaces ruraux, la vie rurale, surtout rurale, en Russie, est au même point peut-être. Économiquement, la Russie aujourd'hui est plus faible qu'à l'époque. Monsieur Poutine, si vraiment il aime la Russie, il aurait pu faire ça. Développer la Russie, faire de la Russie
une puissance technologique et industrielle importante. La Russie avait tout ce qu'il faut pour y arriver. Rien n'a été fait dans cette direction-là. Moi, si j'étais russe, j'étais en rage. Comment est-il possible qu'on n'a rien réussi pour devenir un État puissant, mais un État puissant non par les armes, mais par la vie. Les soldats russes arrivés à Russie étaient émerveillés par le fait qu'à l'Ukraine, dans les villages, les routes étaient goudronnées. Ils n'avaient jamais vu ça. L'année 2022. C'est ça le sens que je vois, que je cherche. Comment se fait-il qu'on lance une guerre d'occupation alors qu'on n'est pas, capable de s'occuper normalement, avec intelligence, avec le potentiel humain énorme que la Russie a à bâtir un pays au niveau des critères qu'on connaît tous. I would like very much to be more optimistic about the end of the war, about what could happen after that. My feeling is that if Ukraine is saved, and I'm sure Ukraine can safely say we are saved, they 99% they won that by their own sacrifice, but their own capacity to resist, to say no. Of course, we helped and we help as much as we can. But at the very beginning, almost nobody at the level of the leaders of the West thought sincerely that Ukraine will fight and won. Let's be honest. They did that. They deserve our highest sense of respect and appreciation. After that, my hope is that reconstruction of Ukraine in this new collective mentality, much stronger, superb quality. I think the reconstruction of Ukraine is certainly not only possible, but I think it's a sure thing, and not on such a long period of time. And my hope is that also Russia could at some point become more normal from the point of view of its political leadership. Russia doesn't need to occupy more territories. Why? Why Russia needs more territories? It's already a huge country. It's already a huge country. Why they need new territories? To do what? Maybe a new kind of political leadership is emerging in Russia in order to transform Russia itself from its backwardness towards a modern country. Why all the wealthy Russians don't live in Russia? They all live in the West. They live in the West because they like the life in the West. With the money they earn so crookedly in Russia. What kind of country is this? What kind of country is this? And Putin is the symbol of this kind of distorted way, distorted path, economic, social, political.
removing Putin, of course, is the best option that we can do that. So, yes, stop the war in Ukraine, of course, for the sake of Ukraine itself, of the Ukrainian people, but even for the sake of Russia, for the sake of the Russian people. They supported, Ekaterina told us something which is sad, that many, many Russians supported Putin in this war of occupation, and they expected gifts, I mean, of course, from robberies, brought back by Russian soldiers to their homes. But Russia will not solve any kind of problems, any of its deep failures, disbalances in this way. It's impossible. So I finish saying I was very much impressed how the national identity, the Ukraine, which 70 days ago in the world was nothing very clear, emerged as a very, very strong, very solid, very cohesive identity. On that, they can build everything. Oui, pour dire juste en une minute ce que vient de dire Son Excellence, Monsieur donc l'ancien Premier ministre Petre Roman, il croit que la reconstruction de l'Ukraine est possible, et il croit aussi que donc Vladimir Poutine, donc celui qui est l'auteur de cette guerre injuste, pourrait être écarté. Et donc ça, c'est donc pour résumer ce qu'il vient de dire. Et ce qu'il a dit aussi, hein, que c'est qu'un peuple ukrainien, donc le peuple ukrainien, qui n'était pas du tout connu. Il a parlé en français. Non, je parle de l'anglais. Ce qu'il vient de dire en anglais. Il a raison. Donc, parce que bon, il y a toujours, quand on fait une conférence, c'est l'anglais qui occupe 95%. Nous avons ici, M. Petra Roman, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger, qui est ici avec nous, et donc qui s'exprime en français. Et donc, s'il est là, je pense que nous pouvons aussi essayer d'équilibrer un peu, pour que les gens aussi qui nous suivent de partout, d'Afrique particulièrement, puissent aussi suivre et ne pas louper un petit mot très important que vous prononcez. Très bien. Et donc voilà, il est optimiste, hein. Il est optimiste, et donc c'est avec ce mot je souhaiterais justement... Je suis optimiste pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, justement. Je ne suis pas aussi optimiste pour la Russie. Oui, pas pour la Russie, mais pour l'Ukraine. Okay. Donc, voilà. Alors, monsieur Petra Roman, je souhaiterais juste dire ici que moi, personnellement, je suis aussi très sensible à la cause ukrainienne, parce que l'Ukraine est occupée. C'est une guerre d'occupation. Oui. Et moi aussi, dans mon pays, ça c'est juste entre parenthèses, le Congo est occupé aussi depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et nous avons perdu presque 12 millions. Et donc personne n'en parle. Donc ce genre de forum, ça c'est très important, parce que ça me donne aussi le courage de soutenir. Je comprends très très bien ce que dit Mme Lushenko, parce que moi-même je le vis aussi quotidiennement dans mon pays. Oui, yes, I said this, that I support 100% what Mrs. Yushchenko is saying, because Ukraine is undergoing now a war of occupation by Russia. And why do I show my sympathy to her and to her country? It's because my own country, the Democratic Republic of Congo, has been occupied 20 years ago by Rwanda, by Burundi, by Uganda, supported by other countries. And today we have lost more than 12 million people. And today, this is a great lesson that I've learned.
So that's why I support you. And we are with you. So thank you very much. Now I have to have the pleasure to invite His Honorable the former Prime Minister of Bosnia Herzegovina, Mr. Zlatko Lagumdžija. After, thank you very much. Thank you for the introduction. Thank you for great thoughts and experience between different and of course Roman and Ivo. It's very hard to speak after my dear friends. Of course, I can hardly wait to see your perspective on this very important issue. I'll start with a personal story. 30 years ago, I was living in City of Sarajevo, about this time. Okay. 8 years earlier, City was hosting Winter Olympics, and I was in computer science team supporting IT supported Olympics here. After that Olympiad, we were giving support to LA computer scientist team to share our experience how to support Olympics with IT. So that itself says that we were in Europe, that we were in something top of the world. And 8 years later, I wake up in a medieval besiege of the city. The biggest one since Stalingrad was occupied, surrounded by Hitler forces back in World War II. Why I'm saying this? A few weeks ago, Roman, myself, and Ekat Ekashvilian, our good friend Roshan, we were in Bucharest meeting with refugees, and in Chisinau in Moldova, meeting with the people who were in shelters. Extremely organized generosity of ordinary people of Romania, of Moldova. You see that the greatness of the country, the greatness of the nation, is not measured by GDP or by the population, but the greatness of the heart of ordinary people. And we saw that greatness in Bucharest and in Chisinau. Young boy, just like you, he was student, medical school student. He was refugee from Kiev and Bucharest, studying medicine, third year. He had his daughter, his younger sister, 3 years younger sister, that was with him. She was just finished high school, also was preparing for medical school, university. And there were out of blue. They were in Bucharest being taken care of by generous people, trying to accommodate them to continue studying. There are thousands and thousands of cases like this, but this kid, this young man, 2 years earlier, he came to Kiev because Kiev was the safe place to study because he was a refugee from Syria, okay? Then we went to high school in Chisinau. I saw the people in shelters, people who were just like us, just like us. They looked the same. A few weeks later, we were in Warsaw, Katrina, myself, and Rosha, saw the same thing. Those were the people who were around Christmas time. They were planning their vacations, probably someplace in Antalya or in Palma de Mallorca, or going to Black Sea, to Odessa, to have a nice summer. And suddenly, you find them in a shelter in a high school. And that's exactly what I saw 30 years ago when I was in Sarajevo, after I went here to Geneva, to first UNHCR as a deputy prime minister, first independent government of Bosnia and Herzegovina, to organize humanitarian corridors to Bosnia and Herzegovina.
my way back, since I was in the besieged city, thanks to UN, I flew out to participate in the conference. I saw the first time in my life, the very same people I saw in Bucharest and in Kishinev and in Warsaw, in a high school just 50 kilometers from the city where I was born, when I lived. I saw refugees in my own country who were having also 30 years ago planning to go to the Adriatic just a few months earlier for summer vacation, and suddenly their lives fall apart. And they were refugees in their own country, escaped from something which was at that time, can you imagine, as an intellectual exercise called ethnic cleansing. That was the word that was invented 30 years ago, ethnic cleansing. It's more cynical than evil. Ethnic cleansing, which means that everyone who is not like you has to be swiped away, erased. So, I saw Ukraine 30 years ago. I saw those lives falling apart. And I saw international community acting the way it was. I remember here, I was in Geneva when my dear friend, the foreign minister of Austria, great friend of Austria, Governor Branitsky, and then not Orban, but Hungarian foreign minister, Gyula Jasenski. They asked me where I'm going after Geneva. I said, I'm going back to Sarajevo. They said, Sarajevo? It's going to fall in 7 or 10 days. That's what our estimates are showing. Why are you going there? When Zelensky said, when the Ukrainian president said to Americans, give me weapons, I don't need a ride, I need the weapons. It reminded me of 30 years ago when they were asking me to give me a shelter, friendly, to form a government in exile. So the things we're seeing, what is the difference? The world learned some lessons, not too many, but some lessons were learned. For example, Ukraine today is supported strongly by everyone when it comes to humanitarian assistance, when it comes to weapons. Weapons. To us, 30 years ago, we were supported with humanitarian assistance here from Geneva, well organized. But we were also gifted embargo on weapons. Because that was, you know, if we were at that time given in weapons as much that is given to Ukraine today in one day, the war wouldn't go on for 3 years and it wouldn't end with genocide in Srebrenica. So there is a world learned some lessons. At that time, being neutral was being in the middle of the two sides, us and Putin of that time, Milosevic. So he was having the fourth biggest army in Europe at that time. We were unarmed. An embargo was given in order to keep calm down. So the butcher and the lamb were given the same opportunity. No one has a knife, no one has a gun, but butcher can negotiate with them. And that's what is the difference today. So go back to your point, and that's my second point, Javed. This is not only about Ukraine. This is about all of us. Today, Ukraine is fighting not for themselves. They are fighting today for their lives, for their dignity, and for their future. But they're basically fighting for our dignity, our lives, in the future. Going back to point one, my personal story, it can happen to everyone. You may think that you're running Olympia like Americans in LA, and then suddenly you find yourself in the blood in the same city. It can happen to everyone. So that's my message about what you're doing today. And last point, lessons learned. I think that the lessons that we keep learning is that we never learn lessons enough. It's seen, it's déjà vu, everything's been seen. The question is, how we will finally get it? How we will finally get it? Because international law is broken completely. When it comes to Ukraine, what is international law? What is multilateralism? It does not exist on level of Ukraine. International law is just broken down.
and being hit by everyone. It's like in football, it's football, it's ball. And everyone did no rules, no judge, no referee, no nothing. Second thing is human rights. Human rights are just empty words when it comes to crime. Genocide, the question of today, when it is going to be formally accepted that that was attempted to the genocide. If you say that some nation doesn't exist, I mean, that's, what else do you want? And third lesson, I think that in Ukraine today, we are talking about two worlds. It's war of worlds. World of one side where Katrina, us are. It's world of people who want to live in dignity, with the shared values of humanity, in some kind of shared society where our identities are our asset, not our liability. And world in which we have shared future, in which we share the leadership for our common good, shared responsibility, versus segregated, exclusive, totalitarian society that actually is happy only when everyone is the same. Same race, same nation, same religion, same I'm woke, I'm Putin, I'm whatever. Okay. So we all have our Putins in our part of the world. He's not new invention, he's not Einstein. What's Einstein, second Einstein? He's been seen. It was Milosevic 30 years ago. Today, him. Who knows in what country tomorrow if we do not do something together? And thank you so much. Alors, donc, pour l'ancien Premier ministre de. Donc de la Bosnie-Herzégovine, Monsieur Zlatko, il vient de dire, il a rappelé donc sa vie. Hein, et pour résumer ce qu'il a dit, il a dit que partout où l'on se promène, on ne peut pas prévoir ce qui peut arriver demain. On peut sortir quelque part, on voyage et puis soudain on se retrouve bloqué quelque part parce que quelque chose arrive à notre pays. Une situation catastrophique, une guerre par exemple, occupe notre pays et on ne peut plus retourner. Alors ce qu'il a dit et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il a dit ce que la grandeur d'une nation ne se mesure pas à la grandeur de son produit national brut, mais par la grandeur de son cœur, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Et il a dit, donc bien sûr qu'il soutient l'Ukraine, mais il a aussi fustigé peut-être quelques, comment je vais dire, il a fustigé l'attitude justement passive de certaines puissances par rapport à ce qu'on appelle l'action humanitaire. Bien sûr que l'action humanitaire peut toujours venir, mais ce que lui, il souhaiterait, c'est que s'il y a l'action humanitaire, avec qu'il n'y ait aussi, donc qu'il n'y ait pas d'embargo sur les armes. Parce que si aujourd'hui il y a un embargo sur les armes, dans un pays imposé à un pays qui subit la guerre. Alors donc ici, c'est ça qu'il ne comprend pas. Et il souhaiterait que nous puissions apprendre les leçons du passé. Hein, donc là, il parle des années 90, hein, donc tout ce qui s'est passé dans son pays, donc dans sa région, hein, le Balkan et tout. Comment il y a eu le massacre, hein, avec Milosevic, avec donc nous connaissons tout ça. Et donc il a rappelé cela et il souhaiterait vraiment que le droit de l'homme ne soit pas des mots vides et que qu'il n'y ait pas un monde où c'est séparé, les uns souhaitant vivre selon une certaine manière et d'autres pas. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce qu'il a dit. Donc un monde vraiment meilleur avec de valeurs d'humanité, hein, qui doivent justement être incarnées par tout le monde. Ok, alors je vais, so now I'm going to give the last, hein, but not least. Hein. Donc je vais donner à... You speak in French, I think. Yes. Ok. Alors je vais donc donner la parole donc à Madame Akima El Haïté, qui est la présidente de l'Internationale libérale et qui est donc une ancienne ministre
du Royaume du Maroc. Alors, que je vous demande d'applaudir aussi très fort. Merci beaucoup. Toujours très difficile de clôturer un débat avec d'éminentes personnalités. Mais je me réjouis d'être là ce matin et je voudrais commencer par remercier notre hôte pour l'organisation de cette conférence, monsieur le président de l'université et ancien premier ministre de la Roumanie en ce moment. Je voudrais également remercier Jawed, sans lequel je ne serais pas là aujourd'hui, et monsieur Didier Gardeau. Au fait, je suis la présidente de l'International Libérale. C'est une fédération qui est née de 75 ans. Et je suis le premier président du Sud. C'est une fédération qui a toujours été présidée par des par le Nord, par les pays démocratiques. L'International Libérale est une fédération de partis politiques libéraux et démocrates à travers le monde qui prônent les valeurs de la liberté, de la démocratie, de la lutte pour les droits humains et de la paix. Aujourd'hui, je suis là parce que, ensemble avec l'université UMF de Suisse, nous avons eu le génie avec Jawed de lancer 1000 bourses de leadership, d'études master de leadership pour les jeunes Africains. Et je voudrais rendre hommage au président de l'Union africaine, M. Macky Sall, qui est aussi président du Sénégal, parce qu'il a soutenu les bourses. Et aujourd'hui, les centaines de jeunes Africains qui viennent de 21 pays différents et qui connaissent, eux, le déchirement de la guerre au quotidien, qui le payent par leur chair et leur famille, comprennent votre douleur, madame, comprennent le déchirement que vous connaissez. Et je voudrais vous dire, I will switch to English for you, madame. That as president of Liberal International, I have had the privilege to receive Olga, your deputy prime minister. And we did send and urge all our liberal leaders in Europe to support Ukraine and to answer to her request to deliver military equipment. And that was especially, and we emphasized. With this request with the German liberals. So we are supporting you, we understand your fight, and we pay tribute to all the very brave Ukrainians. Maintenant, je reviens à ma langue de mon père, celle que je maîtrise le mieux, pour vous dire que pendant des décennies, nous avons cru, à tort ou à raison, parce qu'on a été trop naïfs, que les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits humains étaient garanties. Nous avons été naïfs dans l'Occident de croire que jamais on ne réveillera les démons de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on les avait exterminés et qu'on avait troqué les armes contre la diplomatie et le multilatéralisme. Mais comme a dit Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, cette guerre est dangereuse, pas seulement pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont en train de payer les erreurs que nous avons faites au niveau de l'Occident. Les Ukrainiens sont en train de mener une guerre pour les valeurs des droits humains, pour la liberté, pour la lutte contre les autocrates et les extrémistes et les nationalistes. Ils sont en train de payer nos erreurs parce qu'on n'a pas été assez fort, on n'a pas crié assez haut. Nous, les libéraux, moi, quand je parle au niveau de l'International Libéral, je leur dis, nous avons des champions nationalistes, nous avons des champions autocrates, nous les connaissons parce qu'ils parlent haut et fort, parce qu'ils font de la publicité, parce qu'ils ont des guerres de communication, parce qu'ils mobilisent la population et les jeunes. Mais nous, les libéraux, nous, les démocrates, on n'a pas de champion de valeur. Nous devons parler haut et fort. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de l'international. Aujourd'hui, cette guerre qui frappe aux portes de l'Europe,
en quoi elle est différente de toutes les guerres que vous avez connues dans votre pays, que ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui vivent dans leur pays. En quoi elle est différente de la guerre en Afghanistan? En quoi elle est différente de la guerre de l'ex-Yougoslavie et de toutes les autres guerres récentes la guerre en Irak? En quoi cette guerre est différente de la guerre en Syrie? Est-ce qu'il n'y a pas eu des déplacés? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réfugiés? Est-ce que les enfants et les femmes n'ont pas été tués? Eh bien, elle est différente. Oui, vous avez raison. Elle est différente. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une guerre d'une autocratie sur une démocratie. Et je n'invoquerai pas les raisons gauchement avancées par les leaders, par certains leaders et certains journalistes qui ont dit oui, c'est une guerre qui se passe en Europe, on a la même religion, on a la même culture, on a la même couleur. Non, ce ne sont pas les raisons pourquoi elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle remet en cause nos valeurs démocratiques. Elle est dangereuse parce qu'elle jette un discrédit sur les institutions multilatérales. Où est le rôle du Conseil de sécurité aujourd'hui? Est-ce qu'un pays pauvre au niveau africain va continuer à croire aux instances multilatérales aujourd'hui? Est-ce que nous allons nous sentir en sécurité tenant compte du rôle important que jouent les Nations Unies? Eh bien non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, les Européens, vous comprenez la position de non-ralliement des pays africains? Eh bien, moi, je les comprends en tant qu'Africaine. Aujourd'hui, c'est pour ça. Moi, je m'adresse à ces jeunes leaders. Et merci, Jawed. Merci au président Macky Sall d'avoir lancé ce master en leadership. Parce que j'aimerais leur dire qu'un leader être un autocrate, un dictateur, un oppresseur, ne fait pas de vous un leader. Un leader, le leadership ne se gagne pas avec la force et avec les muscles. Les États qui sont forts militairement ne peuvent pas se faire qualifier de leader parce qu'ils gagnent avec les armes. Et c'est ça ce que les jeunes, les valeurs qu'on doit inculquer à ces jeunes Africains qui aujourd'hui écoutent la propagande de Poutine en Afrique. Aujourd'hui, dans la rue africaine, vous allez entendre, eh bien, Poutine est en train de défendre le peuple ukrainien contre les nazis et contre... C'est une opération militaire spéciale. Il y a même des Russes au Maroc qui m'ont dit que leur famille n'était pas au courant qu'il y avait la guerre et que c'était une opération spéciale. Donc aujourd'hui, oui, il y a une guerre de communication. Et nous devons, nous libéraux et démocrates, mener avec autant de force cette guerre de communication pour être encore plus forts. Maintenant, les répercussions de cette guerre ne sont pas seulement ukrainiennes, ne se cantonnent pas. Trois messages, et je finis. Ne se cantonnent pas à l'Ukraine. Les répercussions sont aussi énergétiques. Vous connaissez la dépendance énergétique. Ces répercussions sont venues faire souffrir et faire sentir à l'Europe sa dépendance énergétique au gaz russe. Elle menace le traité de l'accord de Paris qui va permettre de sauver des millions et des millions d'Africains. Elle menace d'insécurité alimentaire l'Afrique. Et je peux vous dire qu'à cause de ce lien entre l'énergie, le climat et l'adaptation et la sécurité alimentaire, aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous allons rétablir les équilibres mondiaux et l'ordre mondial? Et ceci nécessite une réforme profonde des institutions multinationales et multilatérales. Est-ce que nous allons tourner cette crise en opportunité pour asseoir l'accord de Paris et stopper la dépendance énergétique au gaz russe, parce que chaque dollar payé à la Russie finance la guerre et Poutine ne s'arrêtera pas aux portes de l'Ukraine. Je finis
par dire aux étudiants, vous êtes là pour apprendre le leadership, faites bon usage et n'abusez pas de votre position de leader, futur leader. Merci à vous tous, je suis bien obligé de clôturer. I have to, as in my capacity as the president of the university, to put an end to this beautiful conference, beautiful debate, because we are at 11 o'clock and have to meet the general director of the World Health Organization, and it's not polite to be late with a person who is so busy. So, je clôture ce débat qui a été, à mon avis, très intéressant. Je suis très fier de la contribution de notre université, de l'UMEF, et je vous promets qu'on organise d'autres très importants événements autour des thèmes très importants, même sur, par exemple, nous avons l'idée de faire une conférence sur les conséquences, the global consequences of the war in Ukraine. Thank you so much. Tu peux démarrer, j'ai dit. Ça, c'est pour toi, ça. Tu peux démarrer. Eh bien, écoutez, chers étudiants, j'espère que vous m'entendez tous. Nous sommes ravis donc, de vous accueillir dans le programme Master en Leadership de Swiss UMF University. J'espère que la conférence à laquelle vous venez de participer vous a plu. Je vais donner la parole à Madame Hakima Elaïté, qui va faire une petite intervention. Et dans un second temps, nous allons essayer de vous faire une petite présentation rapide de la plateforme par laquelle vous avez été connecté, afin de faciliter son usage et que vous soyez tous à l'aise dans le cadre de l'utilisation, étant donné que la première séance de cours va démarrer donc le 7 comme nous l'avions prévu. Je donne donc la parole à Madame Hakima. Chers étudiants, je suis ravie de vous parler ce matin. Je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir été retenu dans ce programme de master. Je voudrais vous rappeler que vous allez recevoir le même diplôme qui est délivré à tous les étudiants qui étudient ici même en Suisse et vous allez avoir les mêmes professeurs que ceux qui enseignent en Suisse. Je voudrais, en votre nom, remercier le président de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, le président de la République du Sénégal, qui vous a permis, grâce à son soutien, de rejoindre l'université UMEF de Suisse. Et bien entendu, je me félicite de la collaboration entre l'International Libéral et UMEF Université pour la création de ce master en ligne. Je ne vais pas être longue, je vous souhaite de réussir. Sachez que la présence dans les cours est obligatoire et que l'UMEF Université a mis en place un système de contrôle de votre présence. Sachez que nous serons tout le temps en contact avec vous pour faire en sorte que vos problèmes de gestion de la plateforme ou d'un quelconque problème que vous rencontrez lors du suivi de vos études pour nous soutenir. Et j'aimerais vous dire combien ce programme de leadership est important pour nous, Africains, et je vous parle maintenant en tant qu'Africaine, combien être un leader qui championne les valeurs des droits humains, qui championne les valeurs de liberté, qui championne les valeurs de la paix sont importantes pour l'Afrique et le développement de l'Afrique. Car vous le savez, sans paix, sans droits humains, il n'y a pas de développement. Et aucun
ces futurs leaders de la France. Merci et toutes mes félicitations. Alors, chers étudiants, nous sommes en train d'essayer de connecter la plateforme et la plateforme. Je ne sais pas si vous voyez actuellement l'interface. Quoi qu'il en soit, je voulais vous rappeler que si vous rencontrez un quelconque problème, nous avons mis une adresse email très spécifique que vous avez reçue par mail et avec laquelle nous vous invitons à communiquer pour nous remonter tous les problèmes. Il s'agit de l'adresse ep@umef-university.ch et je vous invite vivement à utiliser cette adresse puisque nous avons un support qui est là pour vous répondre le plus rapidement possible lorsque vous rencontrerez des problèmes. Nous ne voyons toujours pas l'interface. Cependant, je voulais vous rappeler qu'au travers de la plateforme, vous avez donc accès à l'ensemble des documents qui vont constituer votre parcours, c'est-à-dire déjà toutes vos données personnelles. On vous a d'ailleurs déjà invité à venir les mettre à jour, mettre une photo récente, bien vérifier vos dates de naissance, bien vérifier l'orthographe de votre nom, puisque ce sont ces informations-là qui figureront sur votre diplôme à la fin du parcours. Vous trouverez également au sein de cette plateforme l'attestation d'inscription au programme que vous pouvez bien évidemment télécharger ou imprimer si toutefois vous en avez besoin. Vous trouverez dans la plateforme l'ensemble de la progression de votre parcours, c'est-à-dire que toutes les notes, tous les supports de cours, l'ensemble des informations relatives à votre progression seront disponibles au fur et à mesure des avancements. Il y a un onglet tout particulier qui s'appelle My Courses, il est en anglais. Dans cet onglet-là, vous allez retrouver l'ensemble des matières et des modules sur lesquels les professeurs vont intervenir. Et c'est dans cet onglet-là que vous retrouverez tous les supports de cours. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette explication aura été claire. Je dois préciser également que pour vous connecter à chacune des sessions, vous avez vu que dans l'interface, il y a un petit bouton Zoom. Donc, il faut bien utiliser ce bouton-là qui vous ouvrira directement la session au programme de cours lorsque le professeur sera connecté. Que pourrais-je dire encore? Si vous avez, chose très très importante, la possibilité au travers de votre petit onglet d'accéder au planning. J'attire votre attention, les horaires qui sont indiqués sur ce planning, ce sont des horaires suisses. Vous savez qu'il y a un décalage avec certains pays en Afrique de 1 heure ou 2 heures. Donc, soyez vigilants et de bien considérer que le programme de cours démarrera ou débutera selon les heures suisses. Voilà, mais écoutez, je vous remercie infiniment. J'espère que tout se passera très bien pour vous. Je vais donner la parole à au directeur général de Swiss Human University et je vous souhaite à tous un très très bon parcours. Voilà, moi je vous appelle pas étudiants, je vous appelle chers participants et participantes. Voilà pourquoi j'ai dit participants, parce que vous devez gérer, vous ne devez pas accepter seulement les responsabilités, vous devez créer aussi les responsabilités. Voilà, je pense que, bien évidemment, vous avez vu dans le planning, vous avez un cours avec moi, ça va démarrer avec moi ce samedi. Bien évidemment, c'est très important que vous soyez là, surtout le premier jour. Sinon, vous aussi, il y a la possibilité que vous voyez l'ensemble du contenu du cours et les contenus audio, vidéo.
l'objectif d'aujourd'hui de démarrer ce programme, et d'ailleurs on doit remercier Madame la Présidente de Libéral International, qui a fait un travail excellent, et surtout son excellence Monsieur Lapissal, ainsi que le Conseil académique du Fusion de l'Université, qui a donné ce privilège à vous tous pour étudier sur un programme. Ce n'est pas un programme classique, c'est un programme qu'on appelle éducation analytique. Nous avons deux types d'éducation, descriptive, analytique, c'est-à-dire que vous allez avoir pendant une année académique, la méthode analytique. Nous analysons ensemble, nous travaillons ensemble, nous allons faire des débats, nous allons faire des constats sur le terrain dans les pays où vous êtes, et bien évidemment, nous réfléchissons ensemble pour proposer des solutions. Les problèmes, on le connaît. Sur tout mon cours, je ne vais pas vous présenter les problèmes. Je vais vous présenter comment nous pourrions ensemble trouver des solutions, de créer des valeurs pour votre vie, pour votre communauté, pour votre pays, pour votre continent. Why not, comme en anglais dit, globally, au niveau global. Voilà, je vais juste concentrer plus sur l'aspect académique. Comme mon collègue vous a expliqué, monsieur le détail administratif, mais je vais plus sur l'aspect académique. Beaucoup des matières, il n'y aura pas des examens écrits, ça sera des projets de recherche. Parce que quoi, examen, vous savez très bien quelle est la définition de leadership, sinon, il tapait juste Internet, vous avez 10 000 définitions. Notre objectif de chaque cours, une grande partie, les enseignants, les chercheurs, les professeurs, ils vont nous demander certains travaux de recherche avec un guide précis qui permettra pour vous d'identifier certaines problématiques qui se trouvent dans votre pays ou dans votre ville ou sur votre continent. Et puis de faire une réflexion, quelle est la solution éventuelle pour que vous puissiez présenter aux dirigeants, aux politiciens, à la communauté, pour qu'ils puissent avoir des idées sur les changements positifs. Nous avons deux changements, changement négatif et changement positif. Vous devez être les moteurs de changement positif dans notre pays. Voilà, de toute façon, on aura le temps de parler plus d'une manière détaillée sur le cours entrepreneuriat et le développement économique. Maintenant, je pense que vous avez compris tous comment ça fonctionne au niveau de votre plateforme. Si vous avez des questions que vous ne comprenez pas encore sur certains aspects qui n'est pas clair pour vous, vous pouvez juste envoyer un petit message ou envoyer votre lever la main, comme ça on donne la parole à vous pour répondre spécifiquement à votre question. Là, il y a certaines personnes qui ont envoyé certaines questions, je vais juste vous dire des questions, des conversations que vous avez faites. Sinon, vous pouviez, si vous avez la main, je vous donne la parole, vous pouvez poser des questions. Voilà, il y a certaines personnes qui envoient des messages pour savoir. Alors, 20 000 francs suisses est financé par la bourse de prise de Macky Sall. Non, ce n'est pas 20 000 francs suisses qui est financé par Macky Sall, son étudiant M. Macky Sall. Cette bourse est juste financée 100% par celui sur l'université. Vous ne payez que le frais des dossiers. Qui couvre juste 1% de travail que nous faisons ici. Celui-ci, et bien évidemment, d'abord, grâce à ma chère amie, Madame Yaté, qui a fait ses initiatives, et puis celui-ci, ma finesse, qui est soutenu par son excellence, monsieur le président Macky Sall. Sinon, si vous devez être là, vous devez dépenser 20 000 francs suisses par année. L'avantage dans ce programme est que vous suivez par Zoom. C'est-à-dire que si vous avez l'ambition de développer votre pays, de créer des valeurs, voilà, ça s'arrête de venir ici en Suisse, en Europe, vous pouvez créer des valeurs depuis chez vous. Voilà, ça c'est une question que quelqu'un a posée. Les frais de scolarité se lèvent, voilà, j'ai expliqué. Alors, est-ce que cette présentation sera enregistrée? Oui, on vous enverra le lien par Zoom. Vous allez avoir. Je pose juste des questions qui sont pertinentes, des questions qui permettra pour vous d'avoir des clarifications claires. Je pense qu'à part ça, il n'y a pas beaucoup de questions au niveau de l'aspect académique. Je prends encore parce qu'il y a pas mal de messages que nous avons reçus. Je vais essayer de répondre à des questions précises. Alors,
Voilà, l'ensemble des informations est également via WhatsApp. Non, la plateforme que vous avez accès, bien évidemment, il permettra pour vous d'avoir l'ensemble des informations. Comme c'est hier soir, on avait mis toute la ligne de cours sur notre e-académie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment consulter votre e-académie pour que vous puissiez avoir une idée claire sur l'organisation. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de téléphone. On vous répond uniquement par l'adresse email EP. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer dans 10 000 emails. Il ne faut pas copier les autres parce que sinon on reçoit déjà des pas mal d'emails. Il faut juste vous contacter à cette adresse email. La personne qui construit cette adresse email, il va vous répondre pour vos questions précises. Voilà, il y a beaucoup de remerciements. Bien sûr, nous vous remercions aussi pour votre participation. Je prends encore quelques questions. Bien évidemment, vous avez la chance d'avoir un premier cours avec moi. J'ai donc un profil à la fois enseignant mais aussi responsable de Swiss Marketing Institute. S'il y a des questions à la fin de la journée, je prendrai une heure, ou bien de la formation, je prendrai une heure encore de répondre à vos questions précises. J'ai une question importante ici qui demande comment télécharger l'attestation d'inscription. Voilà. Voilà, l'attestation de d'admission est sur votre profil là-bas, dans notre plateforme e-académique, ça s'appelle Letters, c'est-à-dire que soit vous imprimez. Soit vous imprimez, au lieu d'imprimer, vous registrez sous comme PDF sur votre ordinateur. Voilà, vous pouvez les avoir comme électronique. Je voulais rappeler que personne n'a payé quoi que ce soit. En fait, juste pour encore une fois, cette initiative est faite par la Partie libérale internationale, avec notre présidente, la présidente de la Partie libérale. Initiative du Swiss Imap Dynastique, il a des plusieurs campus en Afrique déjà. Et puis, bien évidemment, le montant frais du dossier était intégralement par Monsieur le Président. Par Monsieur le Président Macky Sall, qui est, c'est-à-dire qu'à ce jour, nous n'avons rien reçu à part ça. Ça, c'est 1% des frais du dossier. Voilà, vous avez rien payé. C'est-à-dire que vous avez eu la chance d'avoir un diplôme. La même qualité que les étudiants ici à Genève, dans ce château, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction, c'est-à-dire qu'il y a la même valeur de plume, il y a la même professeur, la même contenu, même encore plus élevé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. Il y a certaines personnes qui voulaient continuer peut-être, si remplissent les conditions même, venir à Genève, éventuellement peut-être parmi certaines personnes si remplissent les conditions, venir étudier à Genève. Votre une année d'études que vous avez fait actuellement avec ce master exécutif est reculée dans notre établissement. Vous pouvez faire éventuellement un master 2 et après un master 2 si la possibilité de continuer, c'est-à-dire avec certaines conditions remplies. Ce n'est pas la même condition. Il faut voir si, je ne veux pas dire tout le monde, c'est-à-dire si vous payez vos frais de ce jour ici, nous peut-être nous pourrons vous aider dans le frais, je veux dire frais d'études, de donner une partie, peut-être un peu réduire le prix, mais. Et ça, c'est à discuter. Moi, je vous recommande de développer l'Afrique, développer votre pays depuis où vous êtes actuellement. Parce que l'Afrique, il a besoin de ses talents pour qu'il puisse développer et créer des valeurs. Vous avez tous en Afrique, tout, mais il faut juste créer des visions, des valeurs qui permettront de transmettre vos futures générations. Alors, je me permets de couper notre professeur, mais bon nombre d'entre vous pose la question sur les modalités des examens. Jawed, si vous voulez bien préciser. Encore les examens, par exemple pour mon cours qui s'appelle Entrepreneuriat et ses impacts de développement économique. Ah, non, s'il vous plaît. Voilà. En fait, pour mon cours, je prends un exemple. J'ai déjà préparé un template pour vous pour que vous puissiez faire un travail de recherche en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser certains dysfonctionnements du développement économique ou bien quel est l'impact de l'entrepreneur pour le développement économique. Je vais préparer un template et je vous donne un délai jusqu'au mois d'octobre, comme c'est dire le jour de semestre. Vous allez faire un travail de recherche avec un guide précis. C'est-à-dire, quand j'ai le truc, un guide précis que je vais vous télécharger du site de la journée de demain. C'est-à-dire, une grande partie des matières, ça sera. Travail de recherche. Après, sinon, il y aura peut-être des examens choix multiples sur votre plateforme. Sinon,
il est probable que dans certains pays où nous sommes actuellement avec les partenaires, nous pourrions organiser examens regroupés dans le pays. Par exemple, le Sénégal, on a la possibilité, d'ailleurs, vous savez, dans 5 jours à Dakar. Côte d'Ivoire, oui, on a la possibilité. Mali, oui, on a la possibilité. Burkina Faso, on a la possibilité. Maroc, on a la possibilité. Algérie, on a la possibilité. Sénégal, on a la possibilité. Côte d'Ivoire, tout ça, on peut le faire. Mais notre objectif, ce n'est pas de vous traiter comme des élèves, comme des étudiants. Vous êtes les participants. C'est-à-dire identifier les dysfonctionnements. Et puis, vous allez découvrir comment ça marche ailleurs. Comment ça marche pas ailleurs. Comment ça marche ailleurs. Vous prenez ces modèles, vous analysez ces modèles et vous pratiquez chez vous. La création des valeurs, ça se fait à travers des recherches, la recherche appliquée. C'est-à-dire, vous êtes appliqué dans le sens d'un master exécutif. C'est-à-dire, on va travailler ensemble. Et voilà, ça c'est pour les examens. Une autre question, je vous ai donné l'information tout à l'heure, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Si toutefois vous constatez une erreur dans votre nom, votre date de naissance, vous avez la possibilité de modifier cette information directement sur la plateforme. C'est vous qui devez faire cette manipulation lorsque vous êtes connecté à votre compte. Voilà. Certaines personnes, ils demandent sur les images. Oui, on a vu sur votre image, c'est une bonne idée pour vous, ça le permettra pour avoir une visibilité à l'utilisateur ici. Parce qu'il y a encore des gens qui posent des questions sur l'aspect de la solidarité. J'ai précisé, ça tombe là, c'est un peu détaillé. Il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai encore détaillé. Normalement, pour faire une année d'études à Genève, les étudiants doivent payer entre 150 à 250 francs suisses que pour le dossier, leur frais de dossier. C'est-à-dire que leur valeur du dossier, on va étudier. S'il est retenu, il va vers plus loin, sinon ce montant, ce n'est pas la bonne. Après ça, il y a environ 1500 euros à payer environ pour le frais d'admission. Et encore 20 000 par année, c'est-à-dire vous êtes exonéré de 20 000 euros par année, vous êtes exonéré des 1500 euros par année, il y a juste qu'il y avait 245 euros qui était pris en charge par son excellence, monsieur le président Macky Sall. C'est-à-dire, pour l'ensemble des études. Voilà, pour l'ensemble des étudiants, pour tout le monde. C'est-à-dire, personne qui paye quelque chose, vous ne devez payer rien à personne, que ce soit l'organisation, qui m'amène à personne. C'est-à-dire que vous êtes tous dans ce programme grâce à la Conseil académique du MAP, grâce à la Partie libérale internationale et grâce à son excellence, monsieur le président Macky Sall. Voilà, ça c'est. La condition de réussite, présence obligatoire. Voilà. En fait, vous avez vu dans le document pratique, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions qui déjà se présentaient dans le document pratique, le paragraphe, vous avez pas eu le temps de lire. Normalement, vous devez participer à la formation. Il y a des exceptions que ça peut arriver, que vous ne pouvez pas participer. Mais s'il y a un taux de présence de moins que 80%, vous n'allez pas avoir 10% de participation sur la note. Sinon, la présence obligatoire, nous on a un système, quand vous connectez aujourd'hui, vous avez la chance, on vous a autorisé de connecter, même si vous n'avez pas de compte Zoom. Si, à partir de demain, si vous n'avez pas d'un compte Zoom, vous ne pouvez pas accéder à la formation. Le compte Zoom, c'est gratuit, vous pouvez aller sur Internet, télécharger, vous avez le lien. Et grâce à cette méthode, nous allons identifier à quelle heure vous êtes entré, à quelle heure vous avez sorti. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'ai le pourcentage de votre participation. Mais je répète encore, vous devez télécharger votre application Zoom qui permettra pour vous d'étudier. Une grande partie du cours, si le prof est d'accord, on va le enregistrer. Dans mon cours, il n'y a pas de problème, ça sera enregistré, je le mets sur la plateforme, vous avez l'accès. Il est probable que certains professeurs n'aiment pas du tout de enregistrer le cours comme dans le monde démocratique, c'est collégial, s'il n'est pas d'accord. Vous allez avoir le contenu du cours, vous allez avoir le PowerPoint, le contenu, mais peut-être pas. Mais je ne pense pas qu'ils seront là, mais au cas où, si jamais il y avait le probable que certains ne voulaient pas que ce sera enregistré le cours. Voilà, j'ai pas mal de remerciements. Voilà, merci à vous aussi. Je rappelle sur le calendrier en pleine de cours. Voilà, d'accord. Voilà, est-ce que vous avez vu, je vais terminer avec les messages, après je rentre encore. D'accord, il y a certaines personnes qui demandaient que leur
présence avec moi, c'est inversé. C'est normal, comme il y a certains noms que les collègues ici ne distinguent pas par rapport à tout ça, ça sera votre décision à prendre en considération. On va essayer de corriger ça. Pour certaines personnes, s'il y a un problème, vous pouvez nous envoyer juste des petites emails et puis on va le corriger tout de suite. Pourquoi on ne vous avait pas donné l'accès à la correction? Parce que sinon, vous enlevez votre nom, vous mettez dans la correction. Pour cette raison, c'est uniquement réservé à l'administration. Voilà, je vais encore continuer le guide. Voilà, bien sûr, on vous avait envoyé dans le guide pratique, l'adresse du guide, c'est EPAT. Si vous regardez dans votre guide pratique, il y a l'adresse email EPAT-UMAF. Ça, c'est l'ensemble de l'aspect académique, administratif, tout, de A à Z. L'adresse assistance, ça, c'est uniquement si vous avez des difficultés pour votre login, pour votre académique, vous pouvez les contacter. Voilà, j'ai encore remerciements, il y a pas mal de remerciements, voilà, merci aussi, pas de problème. De toute façon, après, je peux laisser dans mon cours aussi même la parole. C'est-à-dire, si vous avez d'intervenir, je peux vous laisser aussi intervenir en tant que, de l'autre point de vue aussi. La formation gratuite, 100% gratuite, parce qu'il n'y a pas de problème. Quel que soit votre lieu de résidence, même si vous venez en Suisse avec vos propres moyens, en Europe, en Afrique, en Asie, n'importe quel coin du monde, la formation continue. La formation, une fois que vous êtes accepté, votre formation continue. Si demain vous êtes à Genève, ça ne dérange pas, pas de problème. Si vous devez après donc à Lens, ça ne dérange pas. Voilà, parce que votre candidature est retenue. Voilà, il y a aussi. Il y a quelqu'un qui pose des questions sur l'aspect du Burkina Faso. Bien sûr, comme nous avons l'objectif de créer des valeurs dans chaque pays où nous sommes, chaque entité est indépendante, c'est-à-dire leur propre, selon le droit du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation dans ce groupe avec dans le pays où vous êtes actuellement. Bien évidemment, le crédit est transférable dans certaines institutions, mais vous ne pouvez pas avoir Maintenant, je parlais de CAMES. Nous ne sommes pas une institution africaine qui doit avoir cette label CAMES. CAMES, c'est pour des institutions qui se trouvent directement dans le pays ou en Afrique. Nous sommes une université suisse depuis 40 ans ici à Genève. Ça ne concerne pas CAMES. Pourtant, vous avez des accréditations internationales sur le site au niveau mondial. Vous pouvez voir sur la page de Suisse et Marine. J'ai raté. Il demande s'il y a une cérémonie de clôture. Voilà, en fait, on verra avec la présidente de Libéral International si dans les pays où vous êtes actuellement selon le droit de ces pays, s'ils nous autorisent d'organiser un événement. Dans les pays où nous sommes actuellement, il n'y a pas de problème. Par exemple, nous pourrions organiser Koukouba, nous pourrions organiser Mali, nous pourrions organiser Koukouba, nous pourrions organiser Sénégal. Au Maroc, nous ne sommes pas présents, mais le droit marocain, c'est assez complexe. Il faut qu'on ait un accord pour venir organiser un événement. Mais comme on a des partenaires là-bas, il faudra qu'on contacte les autorités, si nous autorisent, de faire une remise de plume pour nous étudiants dans le pays à Coimbra. Dans tous les cas, il y a cette remise de plume qui est prévue. Maintenant, on a prévu de faire dans les pays où il y a plus qu'à 40-50 candidats étudiants participants. Et on peut pas faire dans les pays 3, 4, 5, 6. Après, on vous donne une liste des cérémonies dans certains pays. Si vous avez les moyens, vous pouvez participer dans ce pays. Sinon, s'il y a dans certains pays 3, 4, dans ce cas, on va faire une cérémonie à distance. On vous connecte à distance dans les pays où nous sommes. Alors, le premier semestre, ça termine en mois d'octobre, c'est juste. Et puis, le lendemain, le 29, on commence le deuxième semestre. Normalement, vous devez terminer votre formation en octobre 2023. Voilà. Vous allez avoir une carte étudiant électronique aussi sur votre plateforme, bientôt. On a des partenaires au Bénin, mais on ne sont pas impliqués encore au Bénin. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une erreur sur ma réalisation. Écoutez, envoyez à l'adresse OP et les modifications que vous devez, qu'on doit le faire. Est-ce qu'un examen sera organisé dans le pays? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Comment on va dérouler les examens? La présence, je vous ai expliqué sur les examens.
Non, nous, on n'a pas ensuite bac. On ne parle pas de bac. Vous parlez dans bac, ce que l'association française, on appelle la maturité. C'est-à-dire que pour nous, après maturité, maturité qui parle de bac français, il y a trois niveaux. Bachelor, trois ans d'études, master entre une année et deux ans, et doctorat. Et là, si je transfère ça en, en système français, c'est bac plus 4 pour vous. C'est-à-dire bac plus 4 parce qu'un master 1. Non, non, c'est un master 1. C'est rien et deux. C'est-à-dire que si vous le faites deux ans, c'est bac plus 5. Mais ça, c'est un master. Mais j'aimerais juste préciser une chose. Vous allez découvrir les choses que vous n'avez pas découvert même avec votre master que vous avez dans votre pays. Vous allez avoir les concepts, des modèles qui permettront pour vous de créer votre propre entreprise. Je n'ai pas pu vous présenter tout à l'heure, que d'ailleurs, on va dans le monde. Vous allez avoir des profs qui vont partager avec certaines terminologies que vous n'avez jamais entendues. C'est-à-dire que cette formation, c'est vraiment complètement, c'est différent que, différent que les autres formations que vous avez suivies. Vous allez voir. Et d'ailleurs, avec le prof, vous allez voir. Et on va vraiment étudier ensemble pour créer des valeurs. Voilà, il parlait aussi, il n'y a pas d'examen traditionnel comme ça se fait dans une école traditionnelle. Il y a des travaux de recherche, ça peut aussi des ennuis, ça peut être plein des examens, mais une grande partie des examens, ça sera les examens de travaux, travaux de recherche. J'aimerais savoir comment changer le mot de passe. Dans votre compte, vous allez avoir dans votre compte, vous pouvez changer votre mot de passe. Il y a un repris qui s'appelle My Account. Là, vous pouvez changer votre mot de passe. Voilà, les factures, c'est, ça ne concerne pas beaucoup pour vous dans votre plateforme, comme c'est l'IA Academy qui est avec l'ensemble de nos étudiants dans le monde entier. Pour vous, ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, il n'y a rien à ce financer parce que vous ne payez rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. Vous avez eu la chance. Il y a une question, est-ce que les documents et les enregistrements seront disponibles au niveau de la plateforme? Tout à l'heure, je l'ai expliqué qu'il y a certains contenus de cours. Par exemple, pour moi, mes contenus de cours écrits, vidéo, audio, ça sera sur la plateforme, pas de problème. Maintenant, il y a certains profs qui mettront l'ensemble du contenu de leurs cours sur la plateforme et peut-être qu'ils vont être d'accord d'enregistrer leurs cours ou peut-être pas. S'ils sont d'accord, vous allez avoir aussi le lien de l'ensemble du contenu du cours. D'ailleurs, il y a plein de questions académiques où je vais peut-être promener samedi matin avec vous ensemble, vous soyez à l'heure, et on va parler de tout ça. Je vous montre comment voir le contenu du cours. Tout ça, vous allez avoir d'une manière assez détaillée. Non, il y a quelqu'un qui marque, est-ce que le diplôme va comporter la mention de formation en ligne? Non, non, cette formation, il n'est pas en ligne. Il est en ligne présentiel, c'est-à-dire, vous voyez, on parle live. En ligne, c'est-à-dire que vous êtes connecté sur des plateformes, il y a l'ensemble de contenus de cours, vous n'avez pas des contacts avec les profs tout le temps. Mais là, pour nous, comme vous êtes présent ici, c'est-à-dire que c'est présent, c'est la distance, c'est la formation en ligne. C'est-à-dire tout passe en ligne, les examens, le cours, il y a des vidéos, tout ça. Non. Nous, là, vous voyez, on est de contact. On ne sait pas les formations à distance. Je sais que dans beaucoup de pays, ce n'est pas valorisant quand on parle à distance. Alors, il y a quelqu'un qui parle du budget de cette formation et après, au lieu de une formation continue de doctorat. Bien évidemment, l'objectif n'est pas former les chômeurs, les gens qui cherchent le travail. Notre objectif aussi est de donner la capacité, les compétences pour qu'ils puissent créer du travail pour les autres. Après, si vous cherchez le travail, on va essayer de vous donner certaines compétences pour que votre CV se sente parmi les meilleurs, pour que vous puissiez facilement trouver le travail. Mais maintenant, dans quelle institution? La formation de leadership ouvre plein de portes dans les organisations privées, publiques, dans les banques, dans le domaine d'assurance, dans le domaine d'administration publique, dans le domaine d'organisations internationales. Parce que tout dépend des dirigeants, leaders, comment ils vont créer des valeurs. C'est-à-dire que c'est ça. Après, continuer le doctorat, ça, je vous laisse le contacter avec les universités concernées pour avoir votre doctorat. Il y a quelqu'un qui demande l'erreur de la primaire. Comme c'est une formation exécutive, une grande partie des participants y travaillent. Vous avez la formation de 9h, heure suisse, jusqu'à 17h. Bien évidemment, on prend des pauses. Entre chaque union et demie, selon la loi académique, il y a des pauses 15-20 minutes, mais sinon, samedi, toute la journée, et si je prends un but, ça fait presque entre 40 heures de cours, si on calcule 40 périodes académiques,
avec examen et travaux pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de d'autres travaux extra, mais il y a plein de documents à lecture, vous allez avoir plein de lectures, je vous donne plein d'articles, des choses comme ça, pour que vous puissiez venir la semaine d'après, déjà prêt. Voilà. Comment payer les frais d'administration? Il n'y a pas de frais administratifs, je dis tout à l'heure, c'est tout est offert, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de paiement, j'ai encore une part. Voilà. Oui, comme il y a beaucoup de monde, vous avez, il y a quelqu'un qui avait la main, je n'en ai pas de la parole parce qu'il y a beaucoup de monde, comme il y avait une conférence. Ce n'est pas un cours, c'est juste c'est une journée d'orientation. Bien évidemment, nous allons avoir après plein de réactions, des activités ensemble. Voilà, il y a quelqu'un qui prend le monde, est-ce que la présence physiquement obligatoire, physiquement, je ne sais pas comment vous dire, la présence de suivre la formation obligatoire. Une fois par semaine, comme j'ai dit samedi, toute la journée. Pour l'attestation, j'ai déjà marqué, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais prendre quelques questions encore. Voilà, le programme et le planning, il est déjà sur la plateforme. Encore une fois, je répète, samedi de 9h à 17h, en fait, il y a des pauses. Si vous voyez sur le planning, c'est marqué des fois. Par exemple, mon cours, c'est marqué 7. Si vous voyez le planning de cette semaine, 7. Et le 14. Et après ça, vous avez un autre prof qui s'est marqué 21 et 28. Et un autre cours, vous avez, si c'est à moi, pendant 4 semaines, c'est le samedi en mars, le 1er, par exemple, le juin, au 28 juin, c'est-à-dire à un moment donné. Quand c'est marqué 21 et 28, c'est-à-dire deux jours. Quand c'est marqué de 1er jusqu'à telle date, c'est-à-dire l'ensemble des samedis concernés. Quel que soit votre pays, la formation elle est déjà, validée. Je répète encore pour les personnes qui vous avez envoyé plusieurs types de remarques. S'il y a des erreurs sur votre nom, sur la date de naissance, sur l'origine, sur la nationalité, s'il vous plaît, envoyez un email à l'adresse EP. OP, je pense que vous avez dans votre. Je vais envoyer à tous, comme ça vous allez avoir. EP. Vous envoyez, Oui. Voilà, je vous avais envoyé à l'adresse. S'il y a des erreurs sur le nom, tout ça, s'il vous plaît, marquez. Il y a quelqu'un qui marque, est-ce qu'on doit préparer un mémoire en projet d'affaires? Non, il n'y a pas de mémoire spécifique comme une formation exécutive, mais bien évidemment, à la fin de la formation, vous allez avoir un petit travail de votre point de vue sur la formation. Et il y a quelqu'un qui demande, combien de personnes étaient retenues, il y avait environ plus que 2000 candidats, 1800 candidats. Sur 1800 candidats, on a sélectionné autour de... Et environ 5, 6. Voilà, il y a environ 600, mais je suis sûr que parmi 600, il y a certains 20%, 30%, peut-être qui abandonneront, ils n'auront pas rempli la condition, peut-être que ça sera difficile pour eux de suivre tout en même temps, mais quand même, vous êtes parmi les meilleurs, je pense, pour ce coup, de créer des valeurs pour le pays. Voilà, quelle est la situation de l'étude? Voilà, si vous avez un problème d'internet, un problème de connexion internet, on le comprend. Et la raison pour laquelle il y a le contenu, ça sera sur la plateforme. Après, vous pouvez essayer de s'organiser, malheureusement, dans ce sens, j'en ai pas la possibilité de vous aider. Mais peut-être, après, si on verra avec vos autorités, parce que l'objectif que nous avons de parler avec certains du pays, vos autorités aussi, parce qu'on a développé des tablettes. Qui marche sur Internet et l'ensemble du contenu dedans, mais ce n'est pas pour vous pour l'instant parce qu'il faudrait qu'on parle avec des dirigeants. Peut-être un jour, vous aurez cette possibilité, pas pour vous, mais pour les autres frères et copains ou copines du SAS. Voilà. Pas pour cette année, vous ne pouvez pas recommander encore quelqu'un, mais pour l'année prochaine, peut-être. Cette année, c'est fermé, il n'y a pas de formation.
La formation encore, je dis uniquement samedi, Saturday, only Saturday. Please take note, the program is only Saturday. La formation est uniquement samedi. Voilà, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont encore la même question. Je pense que là, il y a une grande partie des questions, on a répondu. Je remercie pour votre participation. Avec quelqu'un qui parle de taper, je développe ça. Merci de votre participation. En fait, quand je parle de tablette, on a développé une tablette qui permettra à des gens d'étudier à distance sans internet et sans électricité parce que câble solaire. C'est l'innovation que nous avons fait ici au centre de la recherche de SUSIMAP. Et pour l'instant, il n'y a personne en Afrique qui l'a pris à sa charge pour cette tablette. Ça coûte environ 250 euros. Qui permettra pour vous, s'il n'y a pas d'internet, l'ensemble du contenu déjà enregistré se trouve dedans. Maintenant, moi, j'ai prévu de avoir peut-être avec son excellence, M. le Président Macky Sall, de faire une réunion avec certains dirigeants africains aussi pour éventuellement de faire un projet dans chaque pays. Et puis aussi, même, on avait discuté si nous pourrions réaliser ce projet, pas pour l'ensemble du continent africain, mais par chaque pays africain. C'est-à-dire, au lieu de vous avoir la formation par Zoom, on envoie le professeur directement chez vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 5 élèves à travers Zoom. Je vais parler avec la présidente de l'Union internationale si nous pourrions faire un accord avec chaque pays. C'est-à-dire, je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, au Bénin. Au Bénin, on discute avec le ministre de l'Enseignement supérieur ainsi qu'avec le président. S'il valide notre initiative, au lieu d'avoir la formation par Zoom, on envoie chaque mois le professeur sur place dans une grande salle amphithéâtre dans l'université d'État qui va dispenser la formation, qui va vous donner la tablette, vous avez à la fois le professeur physiquement, vous avez votre tablette qui marche comme des tablettes, des iPhones, des choses comme ça, et puis bien sûr, vous avez la formation présentielle. Mais celui-ci ne dépend pas de moi, parce que je n'ai pas le pouvoir politique là-bas pour prendre une décision, il dépend des dirigeants africains, mais on va profiter de la position de libéral international, ainsi que dans l'exemple du président Macky Sall, comme il est président de l'Afrique, pour qu'on puisse en discuter, de faire un projet par chaque pays, mais pas dans la formation de tel chômeur. Moi, je suis contre de chaque fois de lancer une formation. Il doit y avoir des formations qui permettra pour vous d'améliorer, si vous ne pouvez pas améliorer la vie des autres, au moins changer votre vie. Aujourd'hui, les vraies valeurs, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas les ressources, c'est l'éducation, c'est technologie. On veut juste transférer le savoir des pays européens, des professions de 24-25 nationalités, chez vous directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas que les profs suisses. Vous avez des profs, par exemple, dans notre programme, vous avez vu un monsieur qui s'appelle Alexandre Benny. Lui, il est de la société française, mais il est ancien traducteur de Mikhail Gorbatchev, le président de la Russie. Vous avez des professeurs de plusieurs nationalités. Et là, si on arrive à valider cette méthode avec vos dirigeants dans chaque pays, ça sera un des meilleurs projets peut-être de l'année, qui permettra pour vous d'entendre le professeur sur place, de le saluer sur place et de discuter sur place. Je pense que ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, peut-être ça prendra un mois, deux mois, trois mois, une année. Mais en tout cas, l'initiative est là. Je vais parler avec la présidente de la Partie libérale internationale ainsi qu'avec peut-être son responsable. Ça, si l'idée est bonne, si oui, on va faire un voyage dans chaque pays, on va réaliser ce projet. Voilà, je vous remercie beaucoup encore pour tous. Encore une fois, il n'y a pas de frais payés encore, vous répétez chaque fois, je ne sais pas, peut-être que j'explique mal. Vous avez ou bien vous rejoindre après, mais je ne pense pas parce que vous êtes toujours la même participant. En tout cas, merci à vous. On aura l'occasion de parler ce samedi. Vous pouvez chercher mon profil sur LinkedIn, sur Facebook, je suis là aussi. S'il y a une question, vous pouvez m'envoyer aussi si ça concerne mon cours. Je suis à votre disposition, j'ai déjà lu en verrant une centaine de vous déjà que vous êtes déjà connectés à travers les lignes. En tout cas, merci beaucoup. Je connais un mot en l'autre, tu dis que le nom. Alors, je peux te dire quelqu'un qui a une question à la porte. Peut-être que je pense qu'on a répondu à tous. Voilà, je passe la parole à la présidente des Partis libéraux.
puisse vous parler. D'ailleurs, j'aimerais quand même, c'est très important de parler, si on invite. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'entendre des personnalités, des anciens premiers ministres présidents des pays européens. Et ce genre d'événements, on organise souvent. Vous êtes tous la bienvenue, vous pouvez participer et bien évidemment donner votre point de vue. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est devenu un village global. On est tous connectés. Vous allez avoir des relations avec des gens qui sont de très haut niveau. Et puis, je vous remercie. Je vais répondre. Voilà, je laisse à la présidente des Émirats. Oui, chers participants et futurs leaders, j'aimerais vous dire d'abord clarifier une fois pour toutes certains aspects de cette formation. Certes, c'est une formation en ligne, mais elle est en semi-présentiel parce que vous aurez des professeurs qui vont s'adresser directement à vous à travers l'écran. Votre participation et votre accès à la plateforme est obligatoire. Il y a un outil ici qui va permettre de définir si vous avez été présent ou pas. Je comprends que certains pays africains ont des problèmes de connexion. Et je voudrais vous demander, à tous ceux qui avaient des problèmes de connexion, d'envoyer à l'adresse qui vous a été envoyée pour votre... à laquelle vous avez envoyé vos dossiers d'inscription, envoyez votre requête comme quoi il y a un problème de connexion. Je travaillerai personnellement pour aller chercher les fonds, comme j'ai fait pour cette formation, pour essayer de financer les tablettes qui vous permettront d'accéder à la formation directement à travers la tablette, le projet dont vient de parler M. Sanger. Je voudrais également vous inviter tous à bien lire le guide parce que dans de nombreuses questions qui ont été posées, les réponses sont déjà sur le guide. Je remercie Niakama du réseau libéral africain du Congo qui a invité l'université à venir établir un partenariat directement au niveau du pays et je vous dis nous serons ravis avec M. Sanger d'examiner cette possibilité et d'élargir cette possibilité. Donc aujourd'hui, vous tous, vous avez bénéficié d'une formation offerte par l'Université internationale de Genève qui équivaut à 20 000 francs suisses. Vous avez bénéficié également des frais d'administration et les plus de 600 étudiants qui ont été admis à cette formation sont pris en charge au niveau des frais d'inscription par le réseau libéral à travers le président Macky Sall. Nous allons essayer de refaire la même chose l'année prochaine. Nous avons lancé un appel à candidature pour 1000 étudiants. Nous avons reçu plus de 2000 candidatures, mais il y a à peu près 600 ou 620 étudiants qui ont été retenus et dont les dossiers ont été retenus. Je pense que l'année prochaine, je vais vous dire aussi une anecdote. La majorité des étudiants ne pensaient pas que c'était réel, ils pensaient que c'était une fake news. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à Genève avec le président de l'université au sein du château et cette formation va commencer, ce n'est pas une fake news, c'est effectivement une formation qui a lieu parce que le président Macky Sall met l'éducation des Africains au cœur de son agenda en tant que président de l'Union africaine. Il va continuer à soutenir les Africains pour se former et donc l'année prochaine, on relancera encore 1000 bourses pour les Africains. Et vous avez un leader, vous avez le professeur Jawad qui, lui, va vous raconter sa propre histoire. Vous allez comprendre à travers son histoire personnelle qu'il est possible pour vous tous qui êtes mieux outillés qu'il a été de devenir un jour un leader. Il est aujourd'hui ici, il vient d'Afghanistan, il a eu des moments difficiles, il s'est fait lui-même et aujourd'hui, il est le patron, le directeur général d'une grande université.
solidarité. C'est ça ce qu'on voudrait faire de vous. Et c'est pour ça que vous avez son engagement personnel pour faire de vous les leaders de demain. Mais encore une fois, je vous invite à vous à lire le guide, à vous familiariser avec la plateforme, parce que de nombreuses questions qui ont été posées ont leur réponse soit dans le guide, soit dans la plateforme. Donc merci encore, et je suis particulièrement heureuse et fière de vous, et de fière de voir que des jeunes Africains vont devenir des leaders africains. Merci. Je vous embrasse. Voilà, voilà, chers participants et participantes, voilà, merci pour votre réaction aussi. Je vous remercie beaucoup des mots que ça touche votre cœur. L'éducation, c'est la vie. Voilà, j'ai terminé par ça. Pourquoi c'est la vie? Parce que si vous analysez l'âge moyen, 60 ans, 20 ans, on dort 8 heures par jour, il reste 40 ans. De maternelle jusqu'à doctorat, vous dispensez 26 ans. 26 moins 40 ans, ça, il reste 14 ans. C'est-à-dire que l'éducation est la même plus importante que notre vie, parce qu'on dépense une grande partie de notre vie dans l'éducation. Voilà, je pense que nous avons fait tout ça. Jusqu'à maintenant, on a fait toutes les informations. Tout va bien, on a donné les informations nécessaires. Vous allez avoir la chance aussi samedi, on va en discuter plus en détail. Voilà, sinon on s'arrête là, parce que je sais que là, ici, c'est midi. On a commencé ce matin trop tôt, parce que pour la conférence. Et puis, je vous invite tous pour avoir des news, des informations sur l'activité de votre université. Il faut aller sur les réseaux sociaux de l'IMAF, UCIMAF, que c'est marqué officiellement Genève. Vous allez abonner avec LinkedIn de l'IMAF, vous allez sur Twitter, sur Instagram. Là, vous allez avoir l'ensemble des changements, des news, des événements que vous allez avoir dans votre université. Si certains parmi vous, vous avez passé européen ou visa européen, vous pouvez venir visiter votre campus ici à Genève. Il n'y a aucun problème, la bienvenue à tout moment, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un mot très important, on a oublié tous, mais on va dire, on doit remercier aussi la vice-présidente du parti des Libérations, je ne trouve pas, n'est-ce pas? Oui, c'est le vice-président de la Fédération. Vic, il a soutenu ce projet énormément, et là, vraiment, il était là. Bien. Parce que quand même, il est là, juste pour que vous dites qu'il vous dit. Voilà, il a fait un très bon travail, il a soutenu ce projet. L'aider de cette initiative, il est venu à Bijan, dans une conférence se rencontrer dans une conférence, on a parlé de ce projet. Il y a quelques mois, on a réalisé ce projet. Et ce projet, ce n'est pas le premier, ce n'est pas tout à la fin. J'ai déjà soutenu plein de personnes des pays en développement pour étudier, même ici jusqu'à Genève, dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, on va continuer ensemble, mais on veut le créer dans vos pays, plusieurs IMAF. Vous êtes IMAF. Vous pouvez créer des valeurs dans vos pays, créer une université, créer des entreprises. C'est ça l'objectif. Voilà. En tout cas, on s'arrête là ici. Je pense qu'on a fait tout le monde. J'aimerais justement dire que je suis ravi d'être parti de ces projets, que vous faites l'investissement de plus que 10 millions de francs suisses. Ensemble pour tous ces projets, plus que 10 millions en Suisse, pour cette initiative d'éducation des leaders en Afrique. Et au lieu de dire quelque chose, je suis impatient d'écouter tous les projets et toutes les initiatives qui vont sortir de tous ces leaders qui sont partis de ces projets. Merci beaucoup. Et alors, il y a certaines personnes, je vois, qui viennent rejoindre maintenant. Il y a déjà un peu de nombre. On va essayer de mettre ce lien sur votre. Académie aussi, vous allez avoir bien évidemment l'ensemble de la conférence ainsi que les explications. Voilà, on donne un rendez-vous samedi à 9h, beyond time, soyez temps. L'heure suisse. Alors, je ne sais pas, il y a combien d'heures de différence. Et j'ai vu qu'il y a une personne qui m'a dit, monsieur, chez moi, c'est à 7h le matin, c'est trop tôt. Non. Ben, lève-toi, réveille-toi pour aller étudier et devenir un leader. Alors, juste pour vous dire, quand j'étais étudiant, je partais de Suisse en France, en voiture, je faisais 2 heures de route, je me suis levé à 5h du matin. Encore pire, quand j'étais étudiant
en Angleterre, Oxford University. Chaque matin, je prenais le vol pour aller de la Suisse en Angleterre et le soir, je prenais le vol de venir à Genève parce que ma famille était à Genève. Parce que j'avais les moyens financiers, je faisais aller-retour parce que je ne voulais pas quitter la Suisse. C'est-à-dire, sacrifice personnel va créer des valeurs nationaux. Sacrifice personnel qui va créer des valeurs pour votre continent. Vous ne pouvez pas être dans le confort et transférer des valeurs à votre future génération. Si vous ne faites pas sacrifice, vous transférez sacrifice pour vos enfants. Si vos enfants ne font pas sacrifice, c'est des prochaines générations. Pour changer la vie des futures générations, il faut travailler maintenant, comme on dit en anglais, the future is now. L'avenir, c'est maintenant. Soit on bosse là-bas, soit on travaille maintenant, soit ça n'existait pas à l'avenir. Voilà, je vous dis à vous tous, excellente journée. Travaillez bien, rêvez grand. Et commencez petit, c'est pas grave. On va avoir des rendus samedi matin, ce samedi, le 7. D'ailleurs, j'avais un voyage, j'ai annulé. Je donne le cours samedi. Il y a certaines personnes, si vous voulez me rencontrer, on donne le rendu le 9 mai à Dakar. Je serai à Dakar. Certaines personnes, si vous voulez me rencontrer physiquement, vous pouvez me rencontrer. Envoyez un petit email, on se va à Dakar. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on dit à samedi. Merci beaucoup. Non, je voudrais juste remercier une personne qui a travaillé très dur pour faire la sélection des dossiers et veiller à ce que ça soit fait. C'est Imane Chapik El Idrissi, elle est présente, je l'ai vue. Et c'est merci beaucoup à Imane, merci beaucoup à Monsieur Garzotto, Didier, qui a veillé à ce que cette plateforme soit prête. Nous avons fait ce travail en un temps record, mais nous sommes là et vous êtes là et on est heureux de vous avoir. Faites en sorte qu'on soit fiers de vous, qu'on puisse vous présenter au monde. Merci. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir. Alors peut-être que je vous laisse rester là encore 5 minutes, 6 minutes. On va faire juste une petite visite de campus avec l'ordinateur. Vous allez avoir quand même quelques images de l'Alexandre Glade, le château, tout ça. Je pense que vous allez bien. Juste une photo avec vous. Oui, let's take the picture here. Je suis Didier Carzotto. Vous m'avez vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ceci, mais là, je peux vous présenter donc, une de nos salles de classe. Je vais descendre tout doucement.